Salut à tous, vous les attendiez, voilà les résultats du Muttonheads Remix Contest 2017. Cette année, je vous proposais de remixer mon dernier single Sunday en featuring avec Vita Levina. Et cette année encore, vous avez été très nombreux à participer, donc je tenais avant tout à vous remercier. Concernant le classement, comme chaque année, ce sera subjectif, mais mes critères sont toujours les mêmes, à savoir l'originalité, le respect de la tonalité, il me faut de belles mélodies et des harmonies pour accompagner le vocal, bien sûr une structure de morceaux cohérente et bien sûr un mastering et un mixage maîtrisé. Mais sans plus attendre, on passe tout de suite à mon top 10. On commence tout de suite avec Zen Twice qui ouvre le classement avec un très joli remix offrant de très beaux passages à la guitare notamment. On écoute ça tout de suite. Number 10. Relax in the morning, get rid of the blues, forget all the pressure by singing this tune. I got it all in my pocket. En 9ème position, autre ambiance avec un remix dark, minimaliste, un petit peu techno. On écoute tout de suite un extrait du remix de Sacha G. Number 9. Yen 505 se place en 8ème position avec un remix house dans la plus pure tradition, avec de très belles envolées de Rhodes, c'est magnifique. Number 8. I got it all in my pocket. I got it all with my friends. I got it all, I can make it. I got it all. En 7ème position, c'est Fiv qui nous propose sa version Tropical Deep House du titre. Tous les ingrédients sont là, c'est parfait pour siroter un petit cocktail à la plage. Number 7. Deuxième position du classement, c'est Chief Brody qui nous offre un remix aux sonorités rétro, synthé wave. C'est tout ce que j'aime en ce moment, donc ça tombe bien. Number 6. Armo et Vibes versus François Trovero qui se place en 5ème position avec un remix club. Ça groove bien, c'est vraiment de la bonne house à l'ancienne. Number 5. Très bon remix de la part d'Overdraft. Là, on est sur un remix formaté EDM avec un très joli break mélodique qui accompagne le vocal, suivi d'un gros drop où se classe 4ème. Number 4. Ah, ah,
On arrive enfin sur le podium et c'est Quid qui arrive en troisième position et nous offre une véritable démonstration de vocal chop sur un titre très frais. Number 3. Sur la deuxième marche du podium, on retrouve un habitué du contest, puisque c'est mon pote Leroy Davis, qui nous offre une fois de plus un remix funky comme seul lui sait les faire. Number 2. Et pour terminer, on ralentit le rythme avec un remix trip-hop tout en douceur, de belles harmonies pour accompagner le vocal. Le titre dégage vraiment une ambiance zen. Alors je mets fin au suspense, on écoute tout de suite un remix du grand gagnant, et en plus c'est un Frenchie, The Vault. Number 1. Relax when you win and relax when you lose. Nobody can tell you where is the real truth. I got it all, I can make it. Bravo donc à The Vault qui gagne ce contest et qui aura donc l'occasion de collaborer avec moi sur un prochain projet. Concernant les participants, n'hésitez pas à partager vos remixes sur les différentes plateformes et réseaux sociaux tels que Facebook, SoundCloud, YouTube et autres. Moi, je mets un petit lien dans la description de la vidéo qui va vous permettre de télécharger l'ensemble des remixes du concours. D'ailleurs, n'hésitez pas à écouter les autres remixes qui sont très intéressants. D'ailleurs, si vous voulez un petit avis constructif sur votre propre remix, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail à remixcontest@motonels.com et j'essaierai d'y répondre dès que possible. Voilà, sur ce, je vous dis à l'année prochaine pour un prochain Remix Contest. Ciao !